Et donc voilà, salut tout le monde, nous voici donc dans ce stade avec l'équipe de Storm Raider, des Gyolas, des Nurgle. Avec un petit champion tronçonneur. Et face à lui, l'équipe star, les Call Girls du stagiaire, donc coachés par l'Empopo, des Amazones qu'on a déjà croisées évidemment lors du tournoi Stagiaire Trophy. Allez, Monsieur Goblin lance le toss. Et on va pouvoir afficher les compétences gagnées par les deux équipes. Non, on est en train de changer de point de vue. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a l'équipe de Storm Raider là, qui est relativement neuve. Là, c'est une équipe bien expérimentée là, de l'Empopo avec plus 1 d'agilité, du plus 1 de force, du plus 1 d'agilité là également. Châtaigne, garde, bloc. Tacle, glissade contrôlée, garde et châtaigne. Là, on peut assurément se dire que sur le papier, hein, c'est pas gagné pour Storm Raider. Maintenant, Storm Raider est un grand joueur, il va avoir un peu d'inducement. La limite hein, pour ce tournoi est fixée à 1300. Donc, malgré tout, l'équipe de l'Empopo ne dépasse pas ça. Mais tout de même, pour le prochain tournoi, eh bien, la limite va être revue un peu à la baisse. On va passer à 1200 maximum. C'est éviter un trop grand écart entre voilà, les équipes neuves qui arrivent et celles qui sont déjà expérimentées. Alors après, rien ne vous empêche, hein, si vous participez au tournoi, de jouer dans l'open. Pour justement préparer un peu vos équipes. Enfin, moi, je vous laisse avec le règlement. Vous pouvez retrouver sur le salon Bootball Info. Voilà, donc ça démarre. Ce sera le septième match hein, de cette compétition Mats Clan War. Avec donc un combat là, entre l'équipe Tut et puis l'équipe de l'Empopo et d'Ascar NLNN. Et on va se mettre du côté de Storm Raider pour suivre son attaque. Storm Raider hein, qu'on a vu lors du match précédent avec des elfes noirs qui est son roster star, hein, son roster clé, son roster fétiche. Avec Nurgle c'est une autre ambiance. Exactement, Daskar qui se félicite des 15 go for it réussis avec son coureur du match précédent. Alors Typhon, ce qu'on va faire c'est, puisque là a priori le match a coupé, un forfait technique pas forcément désiré. C'est de te mettre quand même le touch-in, je pense, du bonus défensif. Hein, parce que je pense que tu aurais quand même pu revenir. Bon, revenir, ça veut pas dire faire égalité, mais revenir, ça veut dire réduire le score. Donc le joueur, lui, n'aura pas les SPP. Mais écoute, ton équipe va quand même profiter d'un petit point. Comme si tu avais marqué ce troisième touchdown. Parce que là, il restait quand même 3 tours de jeu. Déjà un mort, hein. C'est-à-dire effectivement il y a un mort ici côté Nurgle, un mort offert par l'Empopo, donc ça ce sera le point bonus du kill. Et l'Empopo qui essaie de mettre la pression évidemment sur la balle. On s'en sort des tentacules. Et il restait plus que ça à Nurgle.
pour éviter bah, d'une part la tronçonneuse. Message raté du côté de Storm Raider. Alors la balle reste dans deux zones de tacle, mais ça va pas durer. Là il y a du monde qui est à proximité, il y a moyen de libérer cette balle. Attendez, je vais en profiter pour vérifier que vous m'entendiez bien, a priori oui. D'après la jauge, mais c'est mon retour qui pète un câble. Et dans mon retour, on n'entend plus grand chose. Et donc voilà, on n'a pas parlé du tout de cette compétition, hein, si vous tombez sur ce match un peu par hasard. Vous êtes en train d'assister simplement donc au sixième match, non septième match même, du premier round d'une compétition de Blood Bowl 2 par équipe. Donc les équipes sont composées de deux coachs et chaque coach possède deux rosters. Donc en gros une confrontation entre deux clans. Et bien c'est quatre matchs à jouer. Les deux coachs de chaque équipe se rencontrent et jouent avec tous les rosters qu'ils ont. Évidemment un tour de rôle. Et puis voilà, et vous aurez toute une petite panoplie de points à remporter tels que les kills, tels que les passes en bombe, tels que les touchdowns, les bonus offensifs, défensifs, etc. Et le total de tous ces points donc nous donne le résultat de la confrontation entre clans. Et donc sont engagés dans cette petite compétition, alors qui était une compétition de test, hein, j'étais en train de tester un rule set. Donc compétition composée de 4 équipes, 4 clans. Donc on avance, on est en train de terminer le premier round. Il y en aura deux autres. Il reste encore 16 matchs à jouer. Oh là là, et c'est la blessure. Blessure tronçonneuse. Hein. Il faut en profiter. Hein. Côté Storm Raider là. Parce que évidemment. Tronçonneuse va plus rester très longtemps. S'il y a moyen de réduire l'effectif d'en face grâce à ça. C'est un peu son seul atout quoi. Voilà, c'est le touchdown. C'est le touchdown à Tanae. Effectivement, blessure sur garde plus châtaigne, mais quand tu regardes l'équipe, regarde ce qui reste, regarde ce qu'il y a en face, je pense que c'est pas une très grande perte. Bon, c'est toujours une très grande perte pour le coach qui perd sa garde et sa châtaigne, mais il y a encore de la marche, quoi. J'ai pas de soucis. Monsieur Goblina a pris l'argent. Du coup, il y a encore la tronçonneuse. C'est vrai que là, ça va être compliqué pour Storm Raider. Alors attention, hein, Storm Raider est un très bon coach. Et c'est vrai qu'il va devoir être un peu aidé par Nuffle là si on veut le voir réussir quelque chose. Sinon ça va être très compliqué. Jusqu'à en face. Audouin hélas, alors effectivement du côté de l'Empopo on aurait préféré voir sortir la tronçonneuse. Ouais, c'est la deuxième blessure de Storm Raider. Alors il y a un petit point à prendre hein, si jamais Storm Raider venait à perdre le match. S'il arrive à faire 3 blessures ou plus, il y aurait un point bonus des blessures.
C'est un bonus qui n'est appliqué que si vous perdez le match ou si vous faites match nul. Lorsque vous gagnez, si jamais vous faites plus de 3 blessures, ça n'apporte pas de points bonus. On considère que vous avez déjà bien assez roulé sur l'équipe adverse. En revanche, voilà, c'est le petit bonus de combativité, on va dire, ceux qui perdent ou qui font match nul, d'aller sortir quand même des joueurs adverses. Bon, alors on choisit pas toujours, évidemment, c'est Nuffle qui décide du résultat des dés. Voilà. Une blessure également pour l'Mpopo. Alors dans un cas pareil, hein, quand vous avez un décès, ça ne compte pas pour une blessure, puisqu'on le compte en kill sec. Le kill que vous gagnez ou que vous perdiez, c'est un point bonus. Pour l'ensemble des kills, attention, il n'y a pas de points qui se cumulent. Voilà, ça c'était pour la petite explication détaillée des points, mais vous pouvez retrouver tout ça si vous voulez. Bien simplement en lisant le règlement de la compétition qui sera à peu près le même pour le tournoi de septembre. 3 septembre auquel vous êtes invité à participer si ça vous dit. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 25 août sur le Discord. Le tournoi de septembre sera donc un tournoi individuel et par équipe. Avec à peu près 4 matchs à jouer en septembre et puis pour les éventuels qualifiés demi-finale et finale en play-off en octobre. Voilà. Attention, il y a du soutien psychologique. Hello Andy Davo, welcome. Thank you for the follow. Et ça c'est super, super gentil, very nice. Alors pour les gens qui connaîtraient pas Andy Davo, il y a sa chaîne sur Twitch déjà. Et c'est vraiment un excellent joueur que vous avez probablement dû croiser en CCL et vous y traînez. Et donc voilà, je vous invite à aller voir vraiment ces matchs. On est toujours sur le replay de Storm Raider et l'Mpopo dans ce tournoi par équipe. Pour l'instant, c'est l'Mpopo qui maîtrise le milieu de terrain. La balle a été ramassée quand même. Il va falloir remonter face à l'horreur sur terre. Traduit les règles en anglais de la compétition, elles avaient été traduites une première fois. Et comme il y a du changement, etc., faut que je refasse. Mais éventuellement, voilà, si jamais l'anglais vous dérange pas, vous pouvez croiser probablement des anglophones aussi dans cette compétition. Je crois que vous allez croiser Andy Davo qui doit être bien occupé à faire plein d'autres trucs. Mais voilà, vous avez des joueurs comme Undo qui peuvent pop de temps en temps. Larry Croft, maybe. On verra, il y a peut-être des guests internationaux. So, I'm sorry for English speakers. If you wanna speak English, you can. You're absolutely free to do. And I will answer if you ask something, etc. There is no problem at all except my English accent. But as usually I have only French speakers in here. I just comment in French, but it's okay. You can speak. You're welcome to do. And thank you a lot for. De follow Andy. Alors l'Mpopo nous dit qu'il a sué pendant ce tour. Effectivement. Désolé, j'étais parti dans l'explication en anglais de la situation.
Alors ici on a Storm hein, qui se remonte sa petite balle. Alors il va lui rester un tour malheureusement pour aller marquer. Ça veut dire que c'est compliqué. Il va être capable de le faire, on ne sait pas, on va voir. Dans tous les cas là l'avantage est plutôt donné à la défense là dans le contexte, dans la situation. Et on va voir ce qu'il en est. Donc pour rappel, on est sur un replay de match qui a été joué ce week-end. Voilà, l'esquive ratée, attention parce que ça laisse l'opportunité donc à Storm Raider d'aller tenter le touchdown, mais attention, pas de relance. Pas de relance, on est tour 8. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va pas courir tout de suite? En tout cas, match violent pour l'instant. Effectivement, on a 4 KO d'un côté, 2 blessures. Ça y est, il est parti, c'est l'égalisation de la biquette. Le GG, Krafagor. Alors n'hésitez pas, si jamais vous participez au tournoi, à renommer vos joueurs d'un point de vue qui vous plaît, mais un truc un peu plus personnel. Parce qu'il y a des points bonus de naming qui sont votés entre la fin des inscriptions et le début du tournoi par tous les autres coachs. Donc c'est l'occasion de peut-être les faire rire ou de montrer que vous avez un esprit fin et subtil. Et de gratter comme ça un petit point de naming pour déjà pour l'un de vos joueurs, mais aussi pour le nom de l'équipe. Voilà, maximum 2 points à gratter. Bon, je vous invite encore une fois à aller voir les infos, hein, le règlement. Mais bon, je le dis comme ça, puisqu'on est devant le Krafagor. Alors, le Krafagor n'est pas le pire des noms qu'on ait pu croiser sur le Blood Bowl, mais il est généré. Tout à fait arbitrairement par le jeu. Donc, c'est pas non plus le plus rigolo des noms. Alors, je vous mets cette petite règle, hein, évidemment, pour qu'on ait plus de peps, un peu plus de. Comment on dit ? Que ce soit un peu plus rigolo de regarder un joueur et puis de se dire que son nom n'est pas Tessipila, je sais pas quoi. Bon, alors, l'excuse, hein, pour l'Mpopo, c'est que de toute façon, cette règle n'était pas en place au moment où il a créé l'équipe. Donc, il s'est pas embêté avec les noms. Mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable. Hein. Ça c'est la règle et les points bonus, hein, uniquement pour faire plaisir aux streamers. Razmoquette pour mes Alphine, mais si tu veux, ouais, Razmoquette c'est pas mal. Si jamais tu fais des Alphine, pense à mettre Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a le skin. Et également le skin de... comment il s'appelle? De Simon, de Walking Dead, des Alphine. Donc n'hésitez pas à leur rendre hommage. So I don't know if there is English speakers on this stream, but if you're interested in, there is a tournament which opens for September, and then you can sub to this tournament until August 25. I haven't translated the rules yet, but it will come in English as soon as possible. C'était la petite annonce anglaise. Ça me permet de travailler l'anglais, c'est très bien. Il n'y en a pas du tout, hein, qui traîne sur le stream.
Allez, de retour donc avec ce replay de l'Empopo contre Storm Raider. L'Empopo qui est présentement sur le chat avec nous. Et si jamais vous avez des questions sur des moves étranges ou quoi, c'est l'occasion de les poser parce que vous allez pouvoir peut-être avoir la réponse du joueur lui-même. On va se mettre de l'autre côté hein, d'ailleurs. Pour suivre cette phase d'attaque de l'Empopo, pour l'instant le score était égalité un partout. Ça veut dire néanmoins que les deux équipes vont au moins marquer un point en classement. C'est une bonne chose. Si jamais il y a match nul 0-0, il n'y a aucun point de marqué. Voilà, plus le point de kill donc pour l'instant pour l'Empopo. Ouais voilà, Daskar il sait de quoi je parle, hein. C'est vrai que les noms sur les joueurs c'est quand même important quand on veut essayer de faire vivre quelque chose. Alors c'est pas, voilà, après faut évidemment être un bon commentateur, ça ne s'invente pas et c'est pas mon cas, je travaille, j'apprends. Mais c'est vrai que ça aide quand même quand les joueurs ont mis des noms personnalisés parce que ça permet de ou faire des petites blagues ou juste... voilà, apprécier... apprécier ce qui est écrit à l'écran quand il se passe un truc. Donc voilà, c'est un appel lancé à quiconque entendra ce message. Pensez aux streamers que vous aimez et changez les noms de vos joueurs. C'est important. Une superbe bombe, tu as fait une passe, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Noter le point en plus. Voilà donc les résultats hein, de toute façon. Alors l'Empopo d'ailleurs tu m'as pas dit si tu pouvais accéder de nouveau à la page résultat ou pas. Normalement, normalement c'est ouvert à tous. Donc, dans le doute. Je me demanderais si tu étais bien sur l'onglet résultat et pas sur le tableau. Mais en principe donc vous pouvez rentrer les résultats d'après match tout seul sur la page résultat et puis ensuite moi je transfère ça sur le classement. Il y a du gros débile deux fois de suite. C'était gros débile et solitaire qu'à proc. On va essayer. Ben, Loka, si tu veux juste aller essayer de remplir, ben, pourquoi pas ce match aussi. Et me dire si la page est accessible. Normalement, ça l'est. Et donc, c'est bien l'onglet résulte et pas l'onglet du classement. Quoi. J'imagine que si toi tu peux pas le faire, d'autres peuvent pas non plus. Et si tu peux pas le faire, je comprends pas bien ce qui bug et ça va être un autre problème à résoudre. Jusque là ça marchait très bien. Allez bim, l'Empopo là qui va mettre son petit bloc d'Amazon donc sur l'aile gauche. Le petit paquet raté, Grinergueul s'effondre.
Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de croiser les figurines de Nurgle, nouvelle version, et je les trouve particulièrement agréables. Il y a vraiment des très très belles figurines, je trouve. Bon, je suis pas hyper fan du Pestigore en revanche, mais pour les guerriers, je trouve que ça leur va très bien. Et puis les pourris, bon, la chair à canon. Les noms de mes joueurs, Minus 1, 2, 3, ok. Bah écoute, ça se tente, Morphès, ça se tente. De toute façon, ce sont les. Bah, tous les autres coachs en fait qui vont voter. Ils vont voter pour les noms de joueurs et les noms d'équipe qu'ils préfèrent. À condition évidemment que ce ne soit pas des noms de joueurs ou des noms d'équipes de leur propre clan, ni bah, de leurs propres équipes simplement. Et surtout, ce ne seront pas dans leur division. Voilà, on vote pour les autres divisions, accorder des points qui ne nous regardent pas. Mais ce sont bien les participants qui vont voter, donc. Donc voilà, bah essayez de soigner les noms des joueurs comme ça vous plaît aussi, hein, attention. L'essentiel c'est surtout que ça vous plaise. Si jamais vous n'avez pas trop d'idées pour les noms, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout roleplay, qui jouent pourtant à Blood Bowl. Donc si vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas à le dire sur le chat, on vous aidera, il n'y a pas de souci. Après vous prenez ce qui vous plaît pas, vous modifiez. Vous modifiez pas, ça vous regarde. Et voilà, on est là pour... Pour céder s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à demander. Fan d'inspi, ça arrive. Et on a des spécialistes du domaine, entre autres en la personne de Karz. Les arbres s'appellent les gardiens des Minus. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Comment il s'appelait l'arbre du Seigneur des Anneaux qui nous explique que les Ents sont les arbres gardiens. Qu'il veut barbe, voilà. Je suis en train de me rendre compte en disant ça que ça fait un bail que j'ai pas regardé Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il va être temps de se faire un moment un petit marathon 60h30 avec 6 films là. Hobbit et Seigneur des Anneaux. Frontgorn, c'est le bled, non? Il me semble. La forêt de Frontgorn. Je crois que c'est ça. Je me suis relu les livres pour la deuxième fois à l'instant, je m'en lasse pas. Ouais, tu as vraiment raison. Quand j'étais gamin, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux avec les livres. C'est vrai que quand j'ai vu les films après, j'étais un peu genre le fan déçu parce que il s'est passé un peu des trucs étranges dans les films qui se passent pas dans les livres, etc. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai fini par accepter les films comme ce qu'ils étaient, et puis ça me convient bien finalement. Mais c'est sûr que, à choisir, si jamais vous n'avez jamais mis les pieds dans le Seigneur des Anneaux et qu'un jour vous voulez faire ça, c'est bien de commencer par les livres. Il y a vraiment voilà, tous les aspects de suspense, etc. qui sont... En fait, à l'écran, le film est très long. Enfin, les films sont très longs, mais ils sont pas encore assez longs. Ils sont pas encore aussi longs qu'un livre. Et l'écrivain a évidemment... jouer sur les lenteurs aussi d'un livre et du support lecture, il fait qu'il arrive à vous faire oublier des trucs que vous avez lus pour vous les remettre après en pleine tête, genre intervention divine, mais lui il l'a travaillé depuis 60 millions de pages, et du coup ça tombe moins comme un cheveu sur la soupe, etc. Les choses sont plus cohérentes et plus profondes aussi. Enfin, vraiment les livres sont d'une qualité hyper hyper bonne, quoi.
Les films sont hyper bien aussi, franchement je pourrais pas cracher dessus. Je pourrais un petit peu ralouiller si on se met à comparer les films avec le livre. Mais franchement ils ont fait du super bon boulot et voilà, là c'était le touchdown, hein, désolé on était parti sur une autre discussion, mais vous l'avez vu. On va avoir un stagiaire dans la gorge, c'est à force de papoter. Il y a une série bientôt, alors oui je sais plus qui sur le chat l'autre fois nous avait dit en arrivant qu'il allait y avoir la série. Une série donc qui devrait reprendre a priori le concept du Silmarillion. C'était censé être une histoire complètement antérieure au Seigneur des Anneaux. Pour nous raconter un peu justement l'histoire de ce vieux monde. Cette terre du milieu, pardon, le vieux monde c'est Game Workshop. J'en peux plus de ces licences. Hein. Les licences qui se croisent, et encore de ça, Game Workshop et Donjons et Dragons, c'est les mêmes licences mais c'est pas tout à fait les mêmes quand même. Du coup un même truc va pas s'appeler pareil. On va toujours confondre les deux. J'ai entendu, alors vous connaissez peut-être le streamer qui s'appelle Sativax, qui fait également du Blood Bowl. Alors je l'ai rencontré juste tout récemment, je savais pas du tout ce qu'il faisait, etc. En même temps je suis arrivé sur Twitch il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que ça fait un peu plus longtemps qu'on est sur YouTube et puis lui n'est resté que sur Twitch et donc on l'avait jamais croisé jusqu'à présent. Mais c'est donc un gros streamer de Blood Bowl, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez, Sativax avec un Y, sur Twitch. Et donc voilà, et tout à l'heure je suis passé juste dire bonjour vite fait sur son live. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit les elfes des bois. Alors les elfes des bois, voilà, ça c'est une licence Donjons et Dragons. En fait la licence Game Workshop c'est les elfes sylvains. Dans le fond, tout le monde comprend hein, ce que c'est, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que... Et donc dans Le Seigneur des Anneaux, c'est encore un autre nom. Enfin bref. Si les éditeurs, auteurs et autres voulaient bien à un moment se mettre d'accord sur une seule façon, pour mettre tout le monde d'accord une bonne fois pour toutes. Pas très grave non plus, mais... Mais ouais, ça m'a fait bizarre hein, de l'appellation Elfe des Bois pour les elfes sylvains. Alors c'est sûr, en anglais c'est les Woodies, les Wood Elfes, donc Elfe des Bois, c'est traduit littéralement quoi. Mais c'est vrai que la traduction française du même truc est pas celle-là. Oui, tout à fait, c'est le même univers, hein. C'est pas... Attention, si je me suis mal exprimé, bien le même univers que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est avant, très très longtemps avant. Donc vous aurez pas les Frodon et compagnie, quoi. Après, faut voir, je sais pas qui est-ce qu'ils vont mettre sur la série. Ça peut aussi donner une excellente série, hein. Ce serait pas mal. Je pense que tout le monde serait ravi d'avoir une super série dans cet univers-là. Après le risque c'est que la série soit un peu cheap façon je sais pas, décor au rabais, etc. Et que ça se voit et que comparé au film ce soit pas crédible quoi. Mais plus ça va, plus les séries qui sortent ont des budgets de fou et plus il y a de la qualité. Donc, Et voilà, donc c'est la fin du match là-dessus, sur un résultat de 2 à 1 pour les Call Girls de l'Mpopo. On va regarder vite fait les SPP. Alors on a Bigadin qui a pris 5, alors Bigadin qui a une chaîne YouTube également, si vous voulez voir du Blood Bowl, n'hésitez pas à aller là-bas. On a Athanea, et puis bon ça c'est les noms génériques. Ici c'est Atesway qui a pris 7 points de SPP. Ok, Frax le Puant, Baron Hepato, Crafagor donc, et Pectorage. Bon,
va pas afficher les jets de dés. Alors on va faire une toute petite pause stagiaire de 2 minutes, juste 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après pour donc le dernier match de cette soirée. Dernier match qui est un replay encore une fois, et qui sera le replay du match qui a eu lieu cet après-midi avec le Signe Noir et Creeper, Creeper qui est mon coéquipier dans cette compétition. Et donc on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc juste 2 minutes, le temps d'aller chercher un petit verre d'eau. Et puis je reviens vous voir tout de suite avec un nouveau match. Allez, à tout de suite.